Gardons saisissement, peuple haïtien. Luis Abinadel a couru pour serrer l'appui. Eh bien, Luis Abinadel a tombé dans le canal là. Haïtien Fromson, dans le courrier des haïtiens, nan propose faire mouvement raciste en pensant que yo pa vle ou moun noir. Eh bien, Luis Abinadel mettait toute la République dominicaine dans chaud. Et tout secteur politique dominicain, jodi a yo di, faut que yo prenne destin la République dominicaine en main. Parce que finalement, avec arrivée ultranationaliste sa yo, businessman sa yo dans tête pays en 2020, mais quelque part, nèg yo décidé pour que yo effondre pays ça en pensant que yo capable faire business seulement en dedans pays ya. Situation li compliquée, nèg yo pas de jamais penser. Ce qui, tenez bien oui, nèg yo pas de jamais penser si bagala ta fait qualité et fait ça en Dominicanie dans mouvement raciste là. Haïtien Fremsom, nous pral permettre de vivre ça ensemble avec avant que nous démarrer émission Maman Pemba paye pour te grill dans dada ça. Tenez bien. Dans moins que 10 jours, il y a plus passé 61 000 Haïtiens qui quittent la République Dominicaine volontairement. Ça veut dire qui ça? Haïtiens qui ont visa, que le pas de visa, Haïtiens qui checkent, qui pas checkent, mais volontairement, ils prennent bus, mettent sous frontière là, ils traversent à pied avec mallette, ils n'ont yo, sac pote table, sac pote chaise, ils disent après rentrer la caille, malgré toute situation qu'on est capitaine, ils disent après rentrer la caille. Mais peuple haïtien, situation sortie. Sous, et m'capable de dire frontière d'Arabong, non. Le marchandise cap pourri, mes amis, maman Pemba. Le marchandise cap pourri, gardez bien. Le marchandise cap pourri, sous frontière d'Arabong, non. Non, pile marchandise cap pourri. C'est qu'on ça l'a fait, sous frontière Elias Pina. C'est qu'on ça l'a fait, sous frontière Jimani. C'est qu'on ça l'a fait tout, sous frontière Bel, alors, Pédénal. C'est marchandise dominicain cap gâté, mais ni, sans pile l'argent, c'est plus passé 83 millions de dollars américains cap gaspillé là. Pas, tenez bien, pas la compliqué pour la République dominicaine. Mais qu'on y a ça qui est pire pourtant, pour pays à qu'on est. Pour qui ça? Et vraiment pour qui ça? C'est une question, peuple haïtien. Nous vraiment envie poser question, nous vraiment, parce qu'il est clair. C'est une questionnement, tenez bien. Pour qui ça? La Dominicanie, gon quantité produit que yo. Alors, gion quantité plante ou du moins que tu quantité produit que yo gagné, automatiquement frontière l'enfermé, tout produit ça, yo quitté yo gâté sous frontière là, yo pas utilisé, yo pas mangé yo, ni tu pas distribué yo dans tout pays ou du moins conservé yo. Marqué comprendre ça. En Dominicanie, gon paquet ghetto. Côté que c'est grand gou ka pété fiel dominicain, gien en pile misère. Nous c'est des zones en Dominicanie. C'est quand on a demandé en pile, il y a un grand goût dans souffrance. Expliquez-moi bien, bon mon idée dans l'espace commentaire là, pour qui raison manger ça yo obligé à jeter. Soit regardez là, c'est ça nous capable brûler et pomme. Gagner grenadier, gagner zonyon, gagner tomate, gagner chou, gagner pomme de terre. Gagné, comment les oranges douces, oranges si, gagné, tenez bien, gagné toute qualité produit qu'on capable, qu'on connaît Dominique, qu'on a vendu sur frontière là. Pour qui ça? Yo a gâté là, et puis Dominicain, tenez bien, yo pas utilisé, yo conservé, comme si c'est jeté à jeter là. Mais bonne raison valable pour qui ça c'est jeté à jeter. Expliquez-moi 1, 2, 3, 4 pour qui ça c'est jeté à jeter. Tenez bien. Pour qui ça c'est jeté à jeter? Mes amis, n'a pas tourné là. On ne fout pas de capital. Mes amis, oui. Abinadel n'a couru, peuple haïtien. On ne fout pas de capital Santo Domingo. Nous te pensons que c'était seulement sous frontière Elias Pina, Tarabong, que dossier ça a une répercussion. Rete, il arrive dans tout gros maquette, dans tout super mercado, dans capital Santo Domingo, dans Oléo. Maman petite ma revente. Maman petite ma revente. Gon haïtien qui font coup de tête au market, mais ça y est, banou. Meni. Haïtien gade ça. Fremsom gade ça. Gade nos chariots full pour yon se gâter à gâter. Meni. Aïe, 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 papa. Ça son market qui dans zone Olé, Las Américas, kilomètre 10. Pour moun qui connaît Santo Domingo, capitale Santo Domingo. Selon l'information que nous gagnons, mais qui côté, mais qui ça a passé dans market Santo Domingo, gros market yo. Parce que qui s'est passé?
Ça yo poule ça ouais là, dominicain manger yo, haïtien manger yo. Ça c'est poule que dominicain produit pour dominicain manger, pour l'autre monde qui dans pays capable manger. Mais yon l'autre poule que yo produit, c'est seul en Haïti que poule ça capable de manger. Et c'est poule ça que n'a questionné qui ça là dedans. Maman petite m'arrive, entendez bien. Hey, matin on vient là, jodi on vient là, ou on pas venir pour la paix même. Qui t'aime dire non causer. Ça sont maquettes qui dans capitale Saint Domingo. Gen yon zami ki pral voye vidéo plusieurs maquettes ban mwen dans zone Santiago. Plusieurs maquettes. Parce que m di yo ban plusieurs vidéos pour me faire comparaison pour me garder, pour ban chariot yo, ban comment chariot full. Parce que son maquette m connaît bien. Moi m connaît l'acheter la dedans, la Samelicas. Oui, m connaît l'acheter la dedans. L'opparet là. Chariot très bien. Et parce que toi regardé qui vient ça. Très bien. C'est quelque petit grain bagaille oui. Qui est là dedans. Tellement haïtien fait maquette. Tellement gay haïtien dans zone la Samelicas. Ce bagay, pardon, extraordinaire. Mais je dis, Dominique yo prend un zip, Dominique yo entravé. Jean, proverbe la dia, Abinadel tap couru pour tisser la pia, et bien Abinadel tombe dans le canal là, tout droit, li noyé. Mais ça cap passé dans toute maquette en Dominicani. Gardez tes vidéos ça pendant quelques secondes et puis n'a compris la vérité. Meni. Meni bébé haïtien, meni, ça c'est haïtien qui propose de l'acheter et puis la filmer ti bagay, la guerre sur internet là. Mes amis, moi mes peuple moyen parce que je dis ya, faut que nous fassions comprendre effectivement ça qui a passé. Parce que je dis écoutez bien. Haïtien gen visa, li checker en Dominicani, immigration dominicaine prend s'il pas veut $300 américains, il a mettre l'embout dans canter pour senti pour aller debout pour aller laguer sur frontière là. Côté ma parole avant là, il y a plus passé 3000 haïtiens qui fermé dans un gros hall ça les prison immigration dans Aïna. Aïna, attendez bien oui. Dans un gros hall qui mettait plus passé 3000 haïtiens, yo pas manger, yo pas bailler de l'eau, yo pas baigner, yo tout fait, pas gagne rien en dedans pour respirer bien, en dedans gonflé. Au espace qui fait pour environ 100 moun, et bien, plus passé 3000 haïtiens fermés. Donc, vieux dépôt pour y sentir dans une zone qui est Aïna. C'est grave ça qui a passé en Dominicani. Et ça que m'a dit, y a un haïtien qui travaille dans la construction. Y a un haïtien qui travaille dans le champ en Dominicani. Moi, pas une raison valable pour dire comme ça que, pour être en Dominicani, pour toi faire résistance. Qui résistance soit fait? Qui faut le gagner? Saint Dominique, on vibre toujours? Ou d'amour Dominicain? Ou qui faut le travailler avec toujours? Ou on faut le salope qui monte où? Qui sac moto ou? Ou faut les traite qui moto ou? M'a dit ça très bien. Sou quitte, sou gen mal, ou quitte Dominique rache ou, nan champ, m'pa responsable. Sou gen mal, ou quitte Dominique rache ou, sou chantier yo, m'pa responsable. Sou quitte Dominique krasé chafou en bas ou sou tombe dans tel building, m'pa responsable. M'a même parlé de ou même. Parce que de fait, ou responsable la mort ou contribuer à assassiner propre tête ou, parce qu'on connaît ces assassins ou qu'on est Abinadel Barou doit pour assassiner ou, sourire là quelque part ou accepter pour prendre la mort dans main yo. Et ben moi m'a passé accompagner ça que volonté pour tourner yo, et ben n'a pas de arriver la caille. Mais ou même qui gen volonté pour rester travailler avec yo, n'importe là foutre coup de masse dans tête ou foutre tout dans tête ou, m'est pas responsable parce qu'on accepter pour mourir dans main yo, ou accepter pour touyer ou, parce que dans l'esprit ou là touyer son fierté pour vous. Et ben être mourir dans main esclave. Un criminel, un vicieux. Moi, connais majorité peuple haïtien qui vivent en Dominicani, ils ont une volonté pour retourner. Sauf que situation compliquée. Mais Luis Abinadel, mon cher, va la compliquée pour vous. Ou t'as couru pour serrer l'appui, et bien mon cher, mon tombé dans le canal là. Mais ça qui a passé dans toute maquette en Dominicani, tout mettre maquette, tout PDG maquette, qui dans dont Luis Abinadel, pas oublier. C'est des ultranationalistes. C'est des businessmen, c'est au possède toute gros maquette en Dominicani. Eh ben mais qui côté déficit a commencé? Maman Pemba, maman petite Marivan. Luis Abinadel commence à perdre pied dans politique pays en Dominicani. Déjà secteur politique en Dominicani dit que naturellement il doit prendre responsabilité pour prendre destin pays en main, parce que pays là gain en main, yon aveugle parce que ça yon par contre côté la peine la République dominicaine, situation compliquée. Nèg a tellement raciste Dominicain après entrer en. Tendez bien, oui? Dominicain qui travaille en dans airport comme agent de sécurité, policier en dans airport, rentrer parce qu'on forme ses noirs que lié, parce qu'il parle créole, et bien, il apprend, il dit, il vient de jeunir, là, l'on compte ensemble avec le rivé, c'est même maintenant qu'on l'a et puis quatre nègres qui ont sécurisé, sont en tout le descend pendant l'autre Sophia, ils violent les femmes haïtiennes. Femme haïtienne, ça qu'on ne m'a pas la voilà, ils mettent la résidence civile en Dominicani. Faut que les jeunes justice et faut que les dédommagés, faut que nous connaissions ces dames n'ont pas malade. C'est ce qui est grave. C'est ça que m'a dit. Toute haïtienne qui compte toujours aller passer vacances en Dominicani, qui vivent Canada, qui vivent la France, qui vivent États-Unis d'Amérique, dans tout l'autre pays, je veux dire, m'a dit comme ça que,
en République dominicaine dépousser haïtien koyé n'importe dominicain capable pour la violer ou yo pas gagné pas gagné rien qu'à priver le ou pas depuis vidéo pas sorti de pas filmer mais soit dit ça pas gagné qu'à priver pas que pièce côté ou capable porter plainte pour lui parce que li gen président qui ba légitimité pour faire crime pour faire n'importe sac malhonnête soit haïtien dépousser noir surtout ou gen passeport américain ou gen passeport français ou gen passeport canadien dépousser noir koyé ou tande bien ou pas épané en dominicani c'est ça qui a passé là et sous tout pays dans monde là tout gros média dans monde là commencer parler de lui et c'est une plus gros frappe que Luis Abinadel a fait la République dominicaine prend là ou même ou doit encourager vidéo ça viral sous toute gros plateforme média international yo. Fait le viral sur toute plateforme média en ligne haïtien yo. Yon façon pour tout pour tout ton haïtien qui peut que jeune message ça pas prendre chance à passer vacances en Dominicani parce que ça qui apparaît en yo li extrêmement danger. Faut que nous très prudent pour que ça pas pita pas pitris parce que bagala compliqué. Faut que nous fait très attention. Combat li pas camper. Son engagement que nous prend, son responsabilité que nous prend, nous pas ca descendre plus bas que ça. La vie nous pas épanier. Et m'espérer que Aïssé Kavivo Dominicani yo comprenne. Mais effectivement, Luis Abinadel doit payer des respectants que la fait yo. Mes chars yo. Mais qui côté à vendre viennent dans la maquette. Mais qui kan, mais dans qui niveau viennent yo commencer pourri dans toute maquette Dominicani. Eh ben, mais a filmé yo. Eh ben, ça qui passe? Yo pensé Aïssé a vienne acheter. Eh ben, Aïssé quitte capital là. Yo commencer péter courir de la gueule qu'on a pris d'Aïti sur frontière là. Aïssien qui en Dominicani yo, qui quelque part yo pas vraiment capable de prendre la rue. Parce que l'immigration avec la police l'armée a plagué de yo, marché arrêté ou bien kidnappé yo pour faire ba $300 américains. Si yo pa gagne, y a pimpé dans pays d'Haïti. Mais ça qui a passé dans maquette yo, et ben le nèg a couler haïtien. Et ben peuple haïtien mais qui côté pas la compliqué pour Abinadel. Pour lui commencer tout moi. Pour commencer gagne 20 sous yo. Béni. Pour y a pourri là. Yo. Y a pourri et pour payer ça qui yo fait. Partagez vidéo ça peuple haïtien. Partagez le tout côté. Yo façon pour plus haïtien capable effectivement participer dans émission ça ensemble avec nous et comprendre ça qui a passé. Le monde est capable ça. Eh bien, les Haïtiens, dans la folie fréquente, dans la folie bail des ordres, dans la folie raciste, est-ce que vous comprenez? Dans la folie raciste, dans la folie raille haïtien, mais ça cap passe au Luis Abinadel. Mais qui compte pour le prendre en zip? Et monsieur, pas foutu président en 2024 qui vient là. Monsieur, pas foutu président dans l'élection qui a fait en 2024, en 2024. Salope sale. Béni, raciste. Ultranationaliste, n'est-ce pas c'est mon peu de la gueule dans le pays Liban, à la gueule dans le pays Palestine, côté où tu es sorti, parce que c'est raciste qui vous y est. Peuple dominicain, peuple dominicain quelque part pral lever contre nèg sa yo parce que yo pas capable tolérer ça. Ça on a pas ça qui a passé là, li sorti nan frontière d'Abong, li sorti nan frontière Elias Pina, li sorti nan frontière et m'capable di nou Jimani, li sorti nan frontière Pedernal et ben li vin atterri nan capitale Santo Domingo. Gros répercussion sou haïtien qui pas capable prendre la rue en Dominicani. Tout sous gros répercussions sous dossier immigration cap couler haïtien cap quitter Dominicani volontairement pour rentrer en Haïti. Situation vraiment compliquée, li vraiment catastrophique et me dit bravo avec tout compatriote haïtien qui décide pour quitter la Dominicani pour rentrer en Haïti volontairement. Message moi arrivé et me dit bravo pour nous, m'a demandé chaque grand monde cap tande cap garder là, mettez bravo pour haïtien qui décide de quitter la Dominicaine volontairement. Bravo pour haïtien qui décide de quitter Dominicani volontairement. Bravo pour yo. Écris ça mon espace commentaire pour moi. L'autre bagaille qui est en actualité qui a bail problème c'est toujours dossier marché public dans Wadamet. Mes amis, Woodline qui sont vraiment responsables, yon figure emblématique, yon responsable dans commune et Wadamet, en ville Wadamet, et ben Woodline prend même discours. Il dit fuck marché public qu'on a maintenant ouvri et puis en même temps fuck produit haïtien yo capable vendre sur marché dominicain tout sinon eh ben mon chèm pas bon menti ou met style kembe frontière fermé parce que nous même nous occupé donc nous dans construction canal fuck nous continuer construire canal nous Woodline parler nous va le faut de Woodline tout à l'heure comme ça l'autre dossier qui commençait à dominer l'actualité a qui cause bataille après le plus fragile entre Haïti avec la République dominicaine. Frem sem kap tande mwen, kap gade m la nan moment. Luis Abinadel déjà préparé pour al construit yon an pi gros barrage qui en amour avec nous. Ça veut dire en amour sous tête canal panou. Yon an pi gros barrage yon façon pour nous pas même joindre 2 mètres cubes d'eau par seconde même dans canal là. Ça veut dire que mi sap dévier cour rivière là, OK, yon façon pour que nous capable pas joindre l'eau. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Luis Abinadel a cherché pour lui faire un massacre, même gens
président dominicain, dictateur dominicain, qui c'est Rafael Trujillo, te fait sous haïtien côté que monsieur était assassiné, massacré, plus passé 20 000 haïtiens sous rivière massacre là. Luis Abinadel a cherché pour faire ça. Et m'a dit, tout haïtien, cap tande mwen, cap gade mla, cap vive en République dominicaine. M'a dit nous que, en 1937, ça fait Rafael Trujillo, qui c'est dictateur dominicain, c'était 20 000 haïtiens seulement qui massacré, c'est parce que c'est 20 000 seulement qui joué. Et m'a dit ou même, moi-même, je connais, sorti 2020, privé 2023, selon statistiques, selon calcul, il y a plus passé 750 000 haïtiens qui vivent en Dominicanie. Nous comptons ça, ça veut dire plus passé 750 000 haïtiens en Dominicanie. Il y a haïtiens qui te parlé de 1 million haïtiens qui vivent en Dominicanie. Eh bien, dans moins que 10 jours, nous jouons 61 000. Moi-même pensais que dans moins que 10 jours, nous avons 300 000. Parce que 300 000, non, moi, ce que 10 jours, dans yon mois, nous connais que pour pipiti, nous avons 600 à 800 000 haïtiens. Ça veut dire que, nous t'a prêté environ, nous capable de dire 2 à 3% haïtiens dominicains, ou bien 10% haïtiens en Dominicanie. Haïtiens, ça yon, c'est majorité là-dedans, c'est haïtiens qui vivent en Dominicanie depuis 25 ans, 30 ans. Ça veut dire que c'est haïtiens dominicains, oui. Il va vraiment des problèmes. Mais, nous-mêmes, qui t'a le prendre refuge, nous, parce que nous t'a couru pour coup de balle, nèg SDP, yo. Nèg secteur démocratique et populaire yo, parce qu'il nous tape couru pour mouvement politique violent que l'opposition politique a mette dans le pays en 2020-2021 jusqu'à 2022. Nous trouvons là, eh ben nous tape couru pour yo, nous tape obligé tourner la caisse. Et je dis à Mabdi, haïtien qui a quitté la Dominicanie, continue à garder pour le cap pourri dans chariot dominicain, oui, dans la market dominicain, dans gros market yo, dans plus gros market yo, continue à garder sur écran pendant que vous partagez l'émission. Mabdi, depuis c'est haïtien qui victime de l'immigration dominicaine. Soit yon fout de coup de couteau ou pas de mourir. Soit yon fout de coup de bâton, tête ou casse ou pas de mourir. M'a demandé ça. Et moi, je prends engagement ça pour me dire. Si c'est 20, 30, 40, 50 ou bien 100 haïtiens qui victime, m'a dit nous chercher nèg qui était dans l'opposition politique en 2020, qui était fort ou qui était pays. Veillez yo. Le ap descend machine ou côté. Envahi yo, si c'est couteau, te fout de coup de couteau, fout n'importe 20 coups de couteau tout. Parce que dans Boudal, parce que, on s'est passé, c'est l'it te fort coup qui te paye ou, qui cause à prendre coup de couteau dans mes Dominicains, en Dominicani. Tenez bien. Si c'est coup de bâton qu'on te prend, dans mes immigrations Dominicani, yo te cassé tête tout. Si c'est nous 100 qui victime, fait association 100 moun victime de immigration Dominicain. Cherchez côté, nèg SDP, nèg opposition politique violent 2020-2021 yo, jusqu'à ce que tu joues dans Moïse yo, cherchez yo. Fait yon côté yon dans hôtel. Côté à Bougouog, cherchez gros coco macaque avec tout clou. Commencez foutre au coup de macaque dans mis en tête de son après de zote yo. Ça veut dire qui ça? Ou commencez venger crime que vous faites sur vous en Dominicanie. Parce que c'est nèg sa yo qui est nous victime en Dominicanie. Si nous pas commencez à faire, qu'on nous fait carré dans courir ou fait carré de pays. Eh bien, moi, je dis, si moi-même, moi victime de Zach Malounet Dominicain en Dominicanie, ou mettre quoi me souvler? Si yo fout mon cartouche ou casson pour être moi, on met quoi me souvle, m'a chercher zam, m'a chercher nèg l'opposition yo, m'a fout zam sou yo tout. Las Américas de Santo Domingo. Gen yon haïtienne qui pour aller voyager avec un petit garçon qui gen 4 ans. En dedans importe la San Lelika, information fait quoi que gen yon policier qui sont agents de sécurité en dedans importe là. Même gens connaît naturellement, depuis moun nan importe son côté qui sensible, depuis yon agent de sécurité relé ou, c'est normal pour qu'on joigne ni. Et ben relé demoiselle là, là le joigne nèg yo. Et puis, il y a 5 environ, il y a allé dans l'espace ensemble avec elle, il y a une qui prend plaisir devant petite dame. Tenez bien, oui, papa, ici, devant petite dame, il y a violé. Si Stanley Lika ou gagne information, ça ou gagne dossier, ça, moi-même personnellement, il y a un pile de monde qui dit, bientôt, fais contact avec Stanley et un pile de monde dans l'international là. Nous connaissons qui a aidé une porte plainte dans plus haut niveau pour dire, nous, comment nous sommes capables de traiter le dossier, ça. Stanley Lika, qui ça dit, et comment on a dossier, ça, qui pris plus de détails qu'on gagne dans le dossier, ça. Et merci pour question ça à Kobozea. Et quelque soit auditeur, Captain Dea, qu'on est que dans tous les 192 pays sous la terre, l'offre font viol ou font cas de jacques
son monde, son crime que lié. Il est considéré comme un crime sexuel. Ça est premier bagage là. Deuxième bagage là, selon traité et convention internationale yo, chaque pays qui fait partie de communauté internationale là, donc 192 pays yo, yo gen des traités et conventions que yo signé. Donc pays ça yo gen ça relé des obligations internationales. Une obligation internationale que la République dominicaine gagne, c'est protéger non seulement citoyen pâle, mais tout citoyen inclus haïtien quand dedans pays. Si la République dominicaine pas fait ça, li faillit à obligation internationale li et li ka sujet à des sanctions internationales. Dans contexte ça, nous condamner viol kadejak qui au fait sous citoyen haïtien ça dans aéroport international Santo Domingo, mais en même temps tout nous condamner tout violation droit haïtien qu'a fait Saint-Domingue à partir de discours président Abinader fait en République dominicaine, parce que dans 20 jours qui sont passés là, il y a des violations systématiques droit citoyen haïtien en République dominicaine. Normalement, ou même jeune capitaine de là, si nous te gen des autorités l'état qui t'a défend intérêt peuple là et intérêt pays là, yo ta dwe faire trois bagages. Yo ta dwe mandé on réunion urgence CARICOM. Yo ta dwe mandé on réunion urgence conseil permanent de l'OEA. En dans CARICOM, yo t'a porté plainte pour violation des droits des Haïtiens en République dominicaine. Dans conseil permanent de l'OEA, yo t'a fait même bagaille et mandé en enquête. Troisième bagaille que yo t'a fait, yo t'a porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Après ça, écrit au commissariat des droits de l'homme à Genève et mandé ambassadeur que nous gain l'autre bois à porter plainte contre Saint-Domingue. Raison qui fait ça pas fait. Ou gon gouvernement traite qui nan tête l'état avec Ariel Henry, SDP, Ricard Pierre, oligarque qui associé dominicain qui a protégé violation ça. Donc je vous dis, étant donné que gon l'état traite qui travaille pour pléton là, pour autorité l'état pau yo, ministre affaires étrangères, ministre planification, premier ministre qui travaille contre nous-même, seul avenue route qui rete pour ka jwenn une solution et pour que criminel yo ka payer pour zak criminel ça que yo fait, c'est ou même dans société civile là, organisation femme, organisation jeune, organisation socio-professionnelle, organisation diaspora, n'a écrit on lettre by commission interaméricaine des droits de l'homme, n'a spécifié dans lettre là qui date à peu près que viol la fait, qui nom madame qui victime viol là, et mandons enquête immédiate de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le commission recevra lettre là, il va gagner l'autre option à faire enquête pour déterminer si c'est vrai. Deuxième côté que nous ka écrit, c'est la commission et le haut commissariat des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, tous deux institutions ça yo, de voir sous Google ou une adresse et pour avoir lettre là ba yo. L'autre bagage qu'on ka fait, organisation femme très puissant qui existait dans le monde là, écrit yo et mandé au soutien dans cadre d'enquête ça. Donc ou même comme organisation femme qui attendait là, organisation femme et jeune, organisation socio-professionnelle pays d'Haïti et organisation dans diaspora, c'est pour ça gen outils institutionnels ça au niveau international pour les faire abus, moun qui fait abus et crime ça yo paye pour yo. Très bien. Et moun ki fait crime ça yo paye pour yo. C'est l'important Stanley. Et maintenant, et ça qui est important tout qui n'a pas essayé faire. Et l'important tout pour haïtien qui Saint-Domingue aller dans OEA mander rencontrer Commission interaméricaine des droits de l'homme par rapport à droit yo qui voté. Et l'important tout que organisation qui fait liaison entre communauté à Saint-Domingue yo kembe on liste de violation ça yo. Qui est-ce qui est victime? Qui côté attaque là t'est faite? Qui est-ce qui est responsable des attaques là?
faut nous documenter. Et en général, depuis nous ka fait vidéo, distribuer sur réseaux sociaux, voyez au bay Infobeto, voyez au bay Busta, voyez au bay Foucault, voyez au bay Hébert, voyez au bay Yannick, voyez au bay Jimmy a fait bon TV, voyez au bay Zin Lakay. Parce que leur documenter ou distribuer sur réseaux sociaux, organisation ça yo, bon bay yo et le phishing côté a chercher sur internet là, qui côté gain violation droit moun, pour ka faire enquête sur yo, y a besoin yo tout. Très bien, parce que il est extrêmement important. Et sans les cas, même, je veux tout pays à comme ça, c'est pas le premier cas qui répète en Dominicane. Il a fait tout le temps, j'en dis, je veux tout haïtien, haïtienne, qui a une famille qui est victime dans un driver. Parce que, go taxi, sans les cas en Dominicane, c'est abus, c'est crime qui fait sur haïtienne, yo. C'est que moi-même toujours dans ces cas. Moi-même, et, you know, ma sujet, et Beto. Très bien. Et, créer la fondation, et Beto, Info Beto, pour la protection des Haïtiens en République Dominicaine, créons email à un ligne rouge pour lui et vous dites Haïtiens, quel que soit côté victime, vos informations au bayo. Et puis, bah, ou, chaque mois, vous font un rapport écrit sous violation des droits des Haïtiens en République Dominicaine. Et puis, chaque mois, vous font une vidéo de 10 minutes qui compile les violations pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre 2023. Et puis là, vous venez accumuler. Et chaque fois que vous finissez, vous voyez la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous avez même préparer un petit document de projet côté ou du besoin de soutien financier pour qu'employer 2-3 enquêteurs pour qu'avoir formation pour fondation sous qui j'en pour faire enquête ça pour qu'à protéger. Et si vous avez l'autre côté dans le Caraïbe là, côté haïtien, vous sentez droit vous violer dans Cuba, Mas par exemple, vous faites même bagaille là pour vous. Bon bay qui manque dans la diaspora, même pense que, et même Jean Bousta li, même li gon fondation pour le faire, pour le dénoncer de bay dans le pays d'Haïti, ou même ou ka fon fondation, et ou a besoin de financement pour le tout, non se de organisation koukipe à faire protéger droit moun. Très bien, Stanley Lucas, c'est ça qui est important pour nous, qui cause nous toujours, alors, toujours dit tout haïtien, Stanley Lucas, c'est un monde qui est extrêmement pour nous dans la communauté haïtienne, dans la diaspora, c'est une tête qui bien fait tout, qui est que nous avons besoin qu'on elle, faut qu'on parle avec Stanley Lucas, l'on besoin tout, faut qu'on checker sur Stanley Lucas pour qu'on comment vous faire. Naturellement, déjà, nous consultations en public, même sûr que nous avons contacté en privé pour que vous aidez nous monter ça. Absolument. Aider nous monter ça. Et nous avons besoin au niveau d'assistance technique d'abord. Très bien, nous contacté et puis nous avons fait, naturellement, même c'est comme ça que mieux depuis mon dit mon bagage depuis c'est où qui dit le tout et rapide vite nous concentre avec équipe point et puis nous approuvons Stanley Lucas. Si c'est Saint-Domingue Gouye m'pa fin konn loyo mais on regarde si ça en matière de fondation c'est aux États-Unis Gouye c'est son fondation 501c3 pour faire. Ouais. Très bien. N'a pas tout bagaille net parce que toute information à terre là pas gagne besoin de pas jeune. Nous on tout ça qui passe à terre. Voilà, Stanley Lucas n'a pas avancé. Gagné et alors, m'a capable dit ça gagne environ 2 jours là depuis alors Abinadel Luis Abinadel et dans un discours officiel et dans un grand salle côté qui grand pile en pile dominicain, en pile partisan et en pile journaliste dominicain, monsieur prend décision pour que yoal alors construit un barrage. Après l'autre barrage qui était gagné, qui était abandonné, qui était venu décider percer puis au panneau, on va bah, dit abandonné qui était qu'on a envahi alors inondé avec Glory, mais il était condamné pendant qu'on a construit canal panouan, pendant qu'on a fait bouche panouan, il est venu repasser malgré toutes conséquences qu'a gagné sur. Mais il dit objectif c'est pour dévier de l'eau pour nous pas jeune quand tu te mettre équipe de pour nous pas jeune par seconde là. Ça veut dire après des villes, c'est méchanceté totale. Et bien effectivement, là Luis Abinader senti que ça que l'a fait, il est pas bon du tout. Elle a décidé pour faut construire un plus gros barrage en amont ensemble avec nous Stanley Lucas. Ou gagne information hein? Aider peuple à comprendre ça relé en amont là parce que l'a construit lui puis au nous hein? Et ben nous petit détail pour qui raison Luis Abinader tient que fuck lui construit barrage sous tête nous et empêcher nous jeunes de l'eau Stanley Lucas pour nous capable arroser plus passer 3000 hectares de terre dans pas plein Maribao Stanley Lucas. Dossier ça comment est hein? Et il y a plusieurs aspects là-dedans et c'est pour ça nous même en tant qu'haïtiens et faut nous gon stratégie de sécurité nationale okay. Par rapport à comportement et président raciste dominicain et Luis Abinader et faut nous gon stratégie économique et faut nous gon stratégie diplomatique. On rallon bac et pour que auditeur a comprendre dossier à fond. Très bien.
Nous signons un traité avec Dominicain en 1929, sous qui Jean Frontier a tracé et comment pour nous partager les ressources qui sous frontière. Rivière qui n'a pas parlé là, c'est la rivière Massacre. Li prend souci dans le sud-est pays d'Haïti. Li passe par Saint-Domingue, li passe sous territoire nous, li passe par Saint-Domingue et li retourne sous territoire nous. En vain, li retourne sous territoire dominicain pour aller tomber dans la main. Dominicain illégalement prend 11 prises sous rivière. Nous-mêmes, avec le président Jovenel Moïse, nous commençons à prendre prise par nous en 2018. Les gens des ultranationalistes dominicains qui ont laissé créer des problèmes pour ça, nous utilisons la structure de dialogue formel que de l'État dominicain à l'État haïtien met en place. Les gros problèmes économiques, sociaux et politiques, c'est dans la structure ça à nous discuter pour une bonne solution. La structure ça a les commissions binationales. Les nous finissons dialoguer avec eux. Le 27 mai 2021, nous signons un communiqué conjoint avec la République dominicaine. Côté nous dit, nous-mêmes, nous avons battu le canal là sur le territoire, nous avons pris prise là, son prise légale. Nous-mêmes, nous avons signé, nous d'accord que prise là légale, Haïti doit prendre prise.